Cette information révélée par Nicolas Morin. Nicolas Morin qui est sur place à la mairie, devant la mairie de Bordeaux où le futur probable patron des Girondins de Bordeaux, Joseph Dagrosa, doit rencontrer dans quelques minutes euh, le Alain Juppé. Euh, Nicolas Morin vous a donc sur place. C'est ce qu'ils sont arrivés non, pas encore, Marie-Pierre, effectivement. Rencontre prévue à midi et demi, ici même, dans le bureau d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Euh, le maire va recevoir donc Joseph Dadrosa, vous l'avez dit, le probable futur repreneur américain des Girondins de Bordeaux, probablement début octobre. Il sera normalement accompagné, selon nos informations, de l'actuel propriétaire Nicolas de Taverneau. Alors, rencontre au sommet entre les trois hommes, évidemment, pour parler du présent et surtout de l'avenir à très court terme des Girondins. Alors, justement, quel est le but de cette entrevue Alain Juppé veut rencontrer l'homme dont on parle, bien évidemment, depuis plusieurs mois, pour qui est en négociation exclusive avec Nicolas Taverneau et M6 pour acheter le club. Il veut juger la fiabilité, la solidité du projet de ces Américains. Vous le savez, il y a plusieurs fonds d'investissement. Alain Juppé veut avoir des garanties financières parce que les Girondins de Bordeaux font partie de l'image de la ville et c'est très important. Mais il y a aussi le fameux document sur la garantie à verser pour le loyer annuel du stade occupé par les Girondins de Bordeaux. Ça sera examiné par le Conseil de Bordeaux Métropole le 28 septembre. Les Américains doivent absolument présenter. Ce document qui permettra notamment en cas de désistance de si jamais le club ne peut pas payer ce loyer au stade au propriétaire de le faire, une garantie financière pour la métropole. Donc rendez vous au sommet, pas de fumée blanche pour l'instant, mais une réunion très importante, la première entre les deux hommes. Merci.